Et rebonjour tout le monde, enfin bonjour tout le monde plutôt. Et alors, comme je disais dans mon précédent, c'est dans live de tout à l'heure, j'étais pas hyper convaincu par le jeu, mais bon, je vais quand même lui donner sa chance, ne serait-ce que pour faire plaisir à une personne qui adore ce jeu, que je connais. Elle se reconnaîtra. Elle se reconnaîtra, c'est son jeu préféré, alors je vais lui donner une chance au jeu. Vas-y, tombe tout en bas, oui. Quoi par là? Oh le con! Ah ouais, je l'ai dans l'os, non? Attends. Ah oui, là je pourrais jamais remonter. Ah oh, putain, c'est chiant. Je dois reconnaître que tant qu'on n'a pas le double saut ou un truc. On est bien emmerdé quand même. Hein. Forcément. Avec un double saut ou un truc dans le genre. Un dash par exemple. Bon lui j'en ai rien à foutre. Lui aussi. Ah ils font chier ces buissons de merde là. Il faut que je refasse tout le tour. Oh putain. Thank you.
Mais ah, putain, toujours un truc pour t'emmerder, hein. Bouge pas, Gizmo, s'il te plaît. C'est quoi ce bruit? Bouge pas! Couche-toi! Couche-toi, bébé! Hein? Ah mais... Pour moi les contrôles c'est pas ce qu'il y a de mieux dans le jeu. Bon, tu te couches? C'est chaud ça. La vache. Mais par contre, faut reconnaître quand même que la sorte d'épée qu'il a, l'aiguillon, là, il a une sacrée allonge, hein. Ouais, super. Un peu de poussière. Autrefois, le plus grand penseur a rêvé de la feuille et a créé ses cavernes. Dans chaque buisson et chaque vigne, l'esprit d'Un nous apparaît. Mmh.
Pas si dur finalement. Malgré son bouclier là, je pensais. Ah, ils font chier eux. Ils servent à rien, juste à t'emmerder quoi. Ils servent juste à t'emmerder par leur mimétisme avec les feuilles. C'est marrant comment ça change de couleur là, en dégradé. Ouais, enfin, ça a de l'allonge quand ça veut, quoi. Tu es en train de faire exactement. Tu vois, je te donne entre moi et ma proie. Et dans tes habitudes de causer des problèmes en déboulant de nulle part. Sache que je suis Zod, le redoutable, un chevalier de grande renommée. Si je te crois de nouveau, petit verre, tu découvriras pourquoi on appelle mon arme porte-mort. Pourquoi me déranges-tu? Je suis un chevalier et je ne suis pas intéressé par des jeux d'enfants. J'ai besoin de repos. Attends. Avant que je déguise mon aiguillon. Sans moi t'étais mort mais bon. Hein, bah, on va dire ça comme ça. Voilà. Oh. Ah bien sûr. Ah bien surpris cette enfant. Salopeur. Les enfants verts sont passés des rêves à ces terres. Ici, nous attendrons patiemment l'appel de retour. Non. Ah ouais. Merde. Merde.
saleté. Oh non! Bah, je suis mort. Qu'est-ce que tu veux faire? Putain, mais c'est abusé quand même! C'est quand même abusé! J'en ai marre. Oh merde! Oh. Je crois qu'il est pas chiant lui, là où il est placé. Hein. Ah, vas-y. Ah merde, oh, putain c'est chiant. Ah oui, je l'ai pas encore coupé la truc. Donc il faut que je refasse tout le tour. Oh, que je me retape lui. Oh merde. Oh mais. J'espère que j'ai pas le gros oiseau à me refaire aussi. Ah mais merde! Putain, il pouvait pas lâcher là.
Ah! Là, on peut pas sauter, sinon ça nous empêche de sauter haut. Ah, mais pourquoi? Pourquoi ils réapparaissent? Pas faute d'avoir essayé de faire un coup vers le bas, hein. Pourquoi ils sautent en diagonale? Oh merde! Juste son aile qui dépasse un peu qui me fait... Et où l'autre blaireau là? Machin le... je sais pas quoi là. Allez, où la corde? Enfin, la liane là, à sectionner. Allez là. Voilà. Putain, il est chiant. Ne t'approche pas, fantôme. Petit vite, faut filer dans les broussailles pour me traquer. Cet ancien royaume, j'ai beaucoup trop tardé à revenir. Maintenant, une chose horrible se réveille. Je peux le sentir dans l'air. Je sais ce que tu es. Je sais ce que tu veux essayer de faire. Je ne peux pas le permettre. Un de ces combats hyper casse-couilles. Déjà, rien que pour accéder, ça va bien m'emmerder. Ouais.
Je t'ai dit d'arrêter de te gratter, toi. Ça va vite me gonfler, hein. Soyons clairs. Déjà me faire celui-là en 3 temps là, ça me gonfle. Hey, coucou Eric. Ah, t'es déjà debout depuis 3 heures. La vache. T'es déjà au boulot là? Mais il va venir me faire chier jusque là, lui. Ah ouais, ok. Cool ça. Enfin, quand tu dis que t'es dans ta voiture, j'espère que t'es pas en train de conduire, hein. Et que t'écris sur le chat en même temps, hein. Ça peut être dangereux. Ha!
Putain, mais comment on fait pour la battre cette saleté? Ah, à l'arrêt, tu vois. Ouais, je comprends. Il me fout dedans. Eh, c'est pas faux. Elle était à moitié KO. Oh, je l'ai vu. Oh putain, elle va jusqu'à là. J'ai pas dormi depuis hier, parce que hier je suis arrivé à 10h parce que je venais juste de me lever, quoi. Donc là je vais tenir toute la journée jusqu'au live de Kappa de ce soir, quoi. Donc je vais faire plusieurs streams dans la journée pour pas m'endormir, quoi. Mais je commence à avoir l'habitude, quoi. Merde!
Allez, je vais y arriver. J'ai vu à peu près comment la combattre, mais... Elle est assez résistante, hein, n'empêche. Elle est assez résistante. T'es sûr? J'allais retomber sur le dos. Je l'ai frappé au moins une vingtaine de fois. Ok, merci Eric. Passe une bonne journée toi aussi. Ouais, à ce soir ou plus tard, ouais. C'est bien, bébé, c'est bien.
Allons souffrir. Oh, vas-y, c'est quoi qui m'a touché là? Oh. Lui, son positionnement là est vraiment casse-couille. J'oublie qu'il va péter lui. Bon, toi, on va aller plus vite. Merde, à chaque fois je me fais avoir, hein. Je fais un truc de trop. Merde. M'énerve celle-là. M'énerve, 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 m'énerve. Oh, oh, oh. Oh, c'est jamais ce qu'elle va faire. Putain, comment ça me casser les burnes, hein. Oh. Combat de merde, hein. Oh, mais merde!
Il est très viol. Elle travers là, putain. Voilà. Là, c'est droit. Ça commence bien. Chiant avec tes trucs en l'air là. Mais vas-y, avance sur moi, je vais rien te dire. Casse-burne, hein. Je commence vraiment à casser les couilles, hein. Connasse. Mais non, mais c'est pas possible. Ouais, c'est bon, je veux juste le combat de boss, je veux pas tout voir.
Le chaud l'a tiré l'autre. Arrête de bouger, toi, merde! Non mais même au bout de deux fois de l'avoir foutu par terre, ça suffit pas. Non mais c'est des malades ceux qui créent ces jeux. Qu'ils se fassent soigner. Même au bout de trois fois! Putain! Des malades! N'importe quoi. C'est bien ce qui me semblait, ce combat ça va être n'importe quoi.
Ah merde. Dégueulasse. Pourquoi j'ai pris un coup là? Ah, là oui, mais... Ce combat, je le sens. Pourquoi des fois ça passe, des fois ça passe pas? Chelou ça. Tu veux bien ne pas bouger, surtout quand je vais avoir un combat de boss. Hein? S'il te plaît. Allez. Garama! Merde! Ah, mais vas-y, fous-toi dedans! Oh, elle m'énerve quand elle fait ça aussi!
Se retaper tout le parcours à chaque fois, c'est vraiment pénible. Oh mais merde, oh, putain. Ce jeu. Oh là, j'ai déjà pas de vie dès le départ. Ah, oh, et voilà. Allez, tue-moi. Connasse. Putain, quel jeu de merde. Ça en a ras les couilles, hein. Oh là là là, mais putain.
Putain, mais tu vas me casser les couilles! Y'a rien pour commencer. Oh, ça commence bien. Putain, mais je... Putain, mais c'est pas possible ça, juste pour essayer de récupérer une pièce à la con. Mais...
Bon, il va se reboucher. Hein. Reste pas là, toi. Ah, saleté. Ah, mais... Mais, putain, c'est pas possible, hein. À la battre, hein, vraiment pénible, hein. Il me donne 10 minutes pour la battre. Passer ce délai, j'arrête. Définitivement ce jeu. Et je passe à autre chose. Parce que là, on commence vraiment à en avoir ras les couilles. Si le jeu m'énerve comme ça alors que j'en suis qu'au début, j'ose même pas imaginer ce que ça sera plus loin dans le jeu, quoi. Gizmo, viens là. C'est bien, bébé. Vas-y, avance plus oh.
Mais putain! Ah, connasse! M'énerve, m'énerve, elle m'énerve. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah, salope! Mais... merde! Mais il va arrêter de se couper ce truc. Putain, mais c'est pas vrai ça. C'est pénible. Je vais pas me casser les couilles avec ce connard pour deux pièces. J'en étais sûr qu'il allait me toucher, hein, ce connard! Putain! Pour afficher un bonus sur mon truc. Ah vas-y, tu peux pas me les donner directement, faut qu'il les balance à un côté. Hein. Oh, elle commence. Mais vas-y. Salope.
Mais vas-y, avance! Putain, c'est chiant qu'il n'y ait pas de dash! Oh, on sait jamais quel coup elle va faire, cette connasse! Casse-couille, hein. Allez, plus de 3 minutes, ça veut dire un dernier essai, et après, adieu Hollow Knight. Manqué de me faire avoir. Hein. Ah, tu es fou de connard. Va chier. Merde.
Voilà. Adieu, Hollow Knight.